du coup, je passe voir les 2-3 maisons qui ont été touchées. C'est là que le feu a sauté, un peu en dessous. Bon, là, à droite, la ferme, pas grand chose. Il y a fumé. Vaste route. Ouais, ils sont encore en train d'arroser là-bas au fond. Ouais, il y a un peu les jardins qu'on noircit, mais non, les bisons ça va, il n'y a rien. Et je vais aller voir du côté de Réveilla, cimetière de Réveilla et l'EHPAD. Et du coup, je passe voir les 2-3 maisons qui ont été touchées. C'est là que le feu a sauté, un peu en dessous. Bon, là, à droite, il y a la ferme, pas grand chose. Il y a fumé. Vaste route. Ouais, ils sont encore en train d'arroser là-bas au fond. Ouais, il y a un peu les jardins qu'on noircit, mais non, les bisons ça va, il n'y a rien. Et je vais aller voir du côté de Réveilla, cimetière de Réveilla et l'EHPAD. Pour aller au cimetière, petit sentier que j'ai pas encore en vidéo. L'entrée était super bien. En plus, il est bien débroussaillé, ça change. Et voilà. Le cimetière est à 200 mètres droit devant, là où il y a la voiture qui le cimetière, le centre funéraire droit devant. Là, juste derrière le centre funéraire et le cimetière, pas de trace de feu là. Hein. Il doit être plus à droite et moins en hauteur, il n'est pas monté jusqu'à là. Et ici, magnifique vue sur Port de Bouc. Le fort de Bouc, la passe, canal de 40 à gauche. Mais il n'est pas monté, hein, je vais redescendre, il est piqué par l'autre côté là-bas. Je vais repasser au funérarium. Ah là à gauche, d'accord. De la maison, je le voyais plus loin que ça le fil. La maison est en face là-bas. Et tout à l'heure j'ai fait demi-tour parce que il est encore là-bas d'ailleurs. Les équipes du conseil général avec la flotte. Ah, il est encore parti de ce bois-là, pour monter et descendre là-bas sur le chemin des fabriques. L'EHPAD est beaucoup plus bas. L'EHPAD. Ah ouais, quand même. Il y en avait jusqu'à là. Là à gauche aussi. Et les arbres, ça a commencé là-bas. D'accord.